Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode, le 29e, bientôt le 30e, de notre série d'Exai avec le roi Roland de Normandie. Alors, où est-ce qu'on était resté? Parce que là j'ai fait une petite pause depuis le tournage, donc faut que je me remette dedans. Alors, j'ai changé de chancelier, j'ai mis mon neveu qui est un peu moins bon, mais au moins il voterait pour moi, ça fait 4 personnes. Et en attendant de pouvoir repasser la loi bourgeoisie légère impôt, puisque je l'ai déjà fait, ça a raté, je vais demander encore un peu plus de troupes au clergé. Voilà, comme ça, normalement ça va se faire. Ça me ferait perdre un peu de fric, mais bon, ça devrait aller. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Oui, donc je suis en train... J'ai repris un petit peu mes duchés, là, ce que je vous avais expliqué, les comtés qui ne redescendent pas forcément. Mon personnage étant un peu vieillissant, je suis un peu plus enclin à accepter qu'il... ça, c'est encore valable, ça, manque de fonds. Oh non, on est repassé en positif. C'est vrai qu'il y avait un problème avec l'argent, mais je crois que normalement c'est bon, non? On doit... À expulser les juifs. On peut faire ça. On va perdre en prestige, on va gagner en or, on va perdre en modificateur global d'impôts et en diplomatie. Non, on va pas le faire. On ne va pas le faire. J'ai oublié, comme d'habitude, de mettre le petit timer. Décidément, voilà, c'est fait. Donc non, on va pas faire ça. On va attendre un petit peu de voir. Par contre, alors je pense que ça va clairement créer une rébellion, mais je vais demander à lui là de relâcher le. Parce qu'il a vraiment trop de trucs, c'est un peu le bordel lui. Je vais lui soustraire un vassal, le comté de Léon, qui n'a rien à faire là. Alors il va peut-être refuser, on va se rebeller. Hop là. On va bien voir. Et on met lecture. Ah non, c'est bon, il a accepté sans qu'on ait de bordel. Et donc, il faut que je donne ce comté-là à la duchesse de Bretagne, hein, on est bien d'accord. Ouais, c'est ça. Donc on va la voir, on lui transfère un vassal et on lui transfère la comtesse de Léon. Voilà, ça y est. Ça, c'est beaucoup plus propre déjà. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre? De jure. Ouais. Et ça, ouais, mais ça, je peux pas lui enlever, parce que... Ah oui, la comtesse de Lyon, elle est aussi comtesse de Derby. Oh, c'est la merde. Décidément, là, tous ces personnages qui ont des doubles titres, c'est un peu chiant. Mais enfin, bon, c'est comme ça, on peut rien y faire. Hein. Bon, lui, même un peu moins. Cela dit, est-ce que je peux quand même lui demander encore d'autres choses ou pas? Parce que, officiellement, le duché de Lancastre, c'est ça... Ah, deux jours, c'est ça, effectivement. Bah, ça aurait été bien de lui transférer le comté de Derby. Mais je sais pas si je peux, du coup. Parce que comme elle est double comtesse, et que en tant que comtesse de Léon, elle est déjà rattachée à ce seigneur-là. Elle est déjà rattachée ici, à celle-là. Mais je pense qu'on peut pas dire, bah, pour ce comte-là, t'es là, pour celui-là, t'es là. On peut avoir qu'un seul supérieur, donc à mon avis, si je le prends lui, je dois pas pouvoir lui transférer... Non, je peux pas lui transférer le comté de Derby, hein. Bien ce qu'il me semblait, ça marche pas comme ça. D'accord, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ouais, alors lui c'est pareil, les doubles comptes, enfin les doubles comptes, c'est un gros gros bordel pour ça. Comte de Retz, comte de Cumberland, duc de Bretagne aussi, oui c'est le mari d'elle. Ouais, c'est compliqué, hein. Et puis lui il va tout récupérer, tant qu'à faire... Ouais, puis lui là, il cumule les titres, hein, lui. Donc lui c'est bon. Ouais, désolé, hein, j'essaye un petit peu de faire tout ça. Ça de jure, c'est le duché des sexes, je peux pas encore le revendiquer. Parce que le père, c'est pas avant 1213. Bah écoutez, sinon je crois que c'était bon, hein. Le duché de Cumbrie. Ah, alors le duché de Cumbrie. Ouais, mais voilà, lui il est duc. Pareil, il est comte. Il est déjà rattaché à la duchesse de Haute-Bretagne.
Ouah, c'est quand même un peu le bordel, hein. Bon, on pourra pas faire beaucoup mieux, c'est pas grave. On va remettre lecture. Voilà, ils ont approuvé. Donc maintenant, on devrait avoir encore un peu plus de troupes des vassaux. Un peu moins d'argent, éventuellement, par contre. Alors, qu'est-ce qui me coûte cher? 8,50 de dépenses. Bah, les frais d'escorte, ils sont en train de renforcer l'escorte, donc ça coûte cher, effectivement. Il veut qu'on envoie davantage de troupes pour renforcer la compagnie de mercenaires. Elle donne quoi sa compagnie à lui au fait? 1800 hommes, ouais, c'est pas une grosse compagnie quand même, hein. Mais bon, allez, voilà. Maintenant il en est à 2000. Bah, il me fait rentrer de l'argent lui quand même, hein. Voilà, pas forcément, mais bon. Bon, juste le temps que l'escorte. Puis j'ai les bateaux qui sont sortis aussi. Bah oui, en même temps, voilà. Je ramène l'escorte ici, je range les bateaux et on va faire des économies, déjà. Voilà. Le duc Herman de Somerset a hérité du duché de Somerset, le comté de Somerset, de duc. Ok, donc lui est mort. Et lui a hérité de tout ça. Bon, il est puissant, il est pas content, il veut un siège au conseil. Il convoite le titre de royaume d'Angleterre, bah bien sûr. Bah bien sûr mon gars. Bon, cela dit, on va envoyer lui et notre neveu pour améliorer les relations avec lui. Du coup, un nouveau maître espion, lui il est lunatique, il a la grande vérole. Le comte de Rouen, il est très très bon par contre. Bah pourquoi pas, allez, on va quand même le prendre. Et on va continuer. Alors la France est en train de d'être en révolte. Quant à l'Aragon, alors on me demandait de prendre l'Aragon. Alors l'Aragon, c'est 17 000 hommes hein, tout de suite quand même. Bon, dont 5393 créés par un événement, mais bon, quand même. C'est pas ridicule le royaume d'Aragon, hein. Donc là tout de suite, non. Non, non, l'Aragon, on va pas s'en occuper, hein. On va le laisser tranquille. Ornderic la grenouille, très bien. Très bien, très bien. Pardon, on a un enfant sans intérêt, c'est notre nièce qui est gauchère. Eh ben, ma chère, tu vas faire dans le conflit. Allez, hop, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Lui, on peut toujours pas lui proposer de devenir un vassal, il va refuser. En même temps, je crois pas que j'ai des revendications chez lui. J'étais pas en train de faire des revendications chez lui parce que je m'étais rendu compte que j'avais pas de revendications en. Bon, déjà, on a une trêve. Si c'est bon, maintenant je peux revendiquer la Cornouaille. J'acquiers le duché. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est bon. Maintenant, je peux bien revendiquer le duché. Je peux pas l'usurper parce qu'il est en guerre, mais même je pense que je pourrais pas. Puisque vous êtes un seigneur industrieux, la population Middlesex a entendu parler de vous. En rendant personnellement visite aux anciens du comté, vous seriez assurément une source d'inspiration et les paysans apprécieraient particulièrement. Le Middlesex obtient la paysannerie inspirée. Modification de temps pour la construction, moins 15%, la prospérité augmente. Contre un peu d'argent, bah écoutez, on va le faire. Hein. Voilà, juste encore le temps que l'escorte se renforce un peu. Tac, tac. Et puis on va mettre lui. Je suis entièrement au service de l'Église et ma mission consiste à éradiquer ses ennemis. Je n'ai encore succombé à aucun péché mortel et je ne suis pas dans le jeu. Je suis Galas, je suis un véritable chevalier chrétien. Bah écoutez, c'est classe. C'est très très classe ça. Oui d'ailleurs, on n'était pas loin. Bah on peut demander à monter en grade, à atteindre le rang de conversus et on va le faire. Parce que pourquoi pas? Alors je sais pas si ce sera accepté ou pas, mais. Peut-être devrais-je utiliser mes vastes connaissances militaires afin d'impressionner le duc Herman et qu'il m'apprécie davantage. On peut faire ça. On est bon, Martial? Ouais, on est bon. Est-ce qu'il va aimer? J'en sais rien. Ma dissertation a apparemment été appréciée. Bon, bah, il nous aime un peu mieux. Bon, bah, ça veut dire que si tu m'autorises à gravir un échelon, je prends ta place en fait. Non? Si je passe Conversus, convertir la population à mon comté. Bah, je suis au plus haut rang, ouais, Conversus. Alors, est-ce qu'il peut y avoir plusieurs Conversus?
Lors de la succession de la société, le personnage avec le plus grand score de guerre deviendra le nouveau chef. Ah, ça marche comme ça. Bon, lui, il a un sacré niveau, hein. Il est un prêtre. Ouais, c'est vrai que ça doit aider. J'ai l'air pas mal derrière. Non, il y a peut-être mieux que moi, en fait, hein. Ah ouais, mais en fait, c'est impossible de devenir le nouveau Conversus, quoi. Bah, j'ai l'impression, hein. Parce que ça me donne 400 points d'être Conversus. Donc, c'est un gros bonus. Mais par exemple, je prends lui qui est pas Conversus, mais qui a plus de 900% en étant prêtre. C'est-à-dire quoi? Faut que je l'assassine, en fait? Pour prendre de la place de l'autre? Ouais, c'est un peu. Bah, c'est marqué là, non? Le. Héritier. L'héritier choisi sur la barre du score des membres prendra la relève lorsque le chef mourra. Vous êtes à 4 étapes de devenir Conversus. Voilà, vache. On n'est pas arrivé, hein. Une rébellion. Oh! La gueule des rébellions. Enfin, des rebelles, pardonnez-moi. On va se regrouper. Qu'est-ce qu'on peut faire? Expulser les Templiers. Oh non, sûrement pas. Chercher un forgeron. Non, merci. Alors je suis désolé, hein, je sais pas si ça s'entend, mais si vous avez l'impression que je parle un peu du nez, c'est que oui, j'ai passé tout mon week-end à l'extérieur pour un événement, et bien que je me suis couvert et recouvert et surcouvert, bah, j'ai chopé la crève. Donc c'est pas possible que je parle un peu du nez, j'ai l'impression de m'en rendre compte, c'est dur de s'en rendre compte soi-même, mais voilà. Donc mes excuses d'avance, j'allais pas vous priver d'un épisode pour autant, et j'allais pas m'en priver non plus d'ailleurs. Donc voilà, j'espère que vous me pardonnerez cet affront. Ça devrait le faire. Allez, on enlève les troupes, on va aller s'occuper des rebels. Alors, plus j'étudie la religion vaudoise, plus j'ai envie de l'embrasser. Mais non. Non. Ben, on va emprisonner notre chapelain, hein. Il n'y a pas le choix, hein. Mais qu'il est con celui-là, franchement, il avait pas mieux à faire, hein. Bon, on va prendre lui, hein. L'évêque Ranulf de Barfleur. Hop, hop. Le temps que le moral remonte un tout petit peu. Est-ce qu'on est en trêve contre lui? Oui, de toute façon, on a levé une armée. Allez, c'est parti. Ah bah, une autre rébellion, dites donc. Ouais, tant qu'on y est, hein. On ramassera quelques troupes vassales au passage et puis on va les écraser aussi. Voilà. Toi, ma nièce. Oh bah oui, carrément. Ah oui, donc c'est vrai qu'ils ont toujours pas fait d'enfants, eux, là. Ça me plaît pas, cette histoire. Va falloir se dépêcher d'en faire, hein. Je sais pas ce que vous avez, là, mais... Ça avait pas envie que ça aussi, ça parte... J'avais oublié cette histoire-là, tiens. Et la comtesse du Vexin qui a 7 ans et qui est laide, ça partirait... Ouais, bon, ça encore, on le récupérerait assez facilement. Pas trop d'inquiétude, hein. Le confesseur, ah, c'est classe, roi Roland le confesseur. Crois que Dieu vous bénisse, la vie trépidante de quelqu'un qui règne donne rarement suffisamment de temps pour la contemplation. Je vous demande de vous isoler, de penser à votre vie, à vos actions, une sorte de pénitence.
On l'a déjà fait, mais on va le refaire. Enfin, c'est pas logique hein, qu'on puisse encore diriger nos troupes alors que officiellement on s'est retiré. Mais bon. Oh bah ça fuit là. Et on va les rattraper. Arnold de Bourbon préconise d'envoyer davantage de troupes. On va encore accepter. Alors qu'est-ce qui nous coûte cher? Les frais d'escorte. Même ça c'est en coût annuel du coup. Donc ça coûte moins cher. Et les frais militaires, ouais bah actuellement, ouais, c'est vrai qu'avec l'armée qui est élevée. Grâce à mes grandes compétences martiales, j'ai fait arrêter et exécuter les bandes de voleurs qui sévissent à Middlesex. Parfait. Donc on va ranger tout ça. Donc là l'argent devrait remonter à plus, ouais, plus 20. Oui voilà, voilà, ça, là ça déconne moins déjà. Donc on a notre héritier qui est non marié, hein, et pour cause, parce que bah je ne peux, enfin vous vous souvenez de l'histoire, je vais pas recommencer. Ça a été une de mes grosses erreurs ça. On va organiser un petit banquet pour fêter tout ça là. Oui on a toujours lui qui nous aime pas trop. Lui on peut lui envoyer un petit cadeau pour qu'il arrête. Lui aussi. Allez hop, on va pas se prendre la tête. Ensuite, donc une croisade est appelée. Oui, c'est pas ça que je voulais voir. C'est pas ça non plus. Ah, on n'est plus qu'à 3 étapes de devenir conversus. Lui, il se pourrait qu'il meure bientôt. Ce serait assez classe. J'aimerais bien essayer de faire ça. Alors c'est chiant qu'ils soient pas... On peut pas les scorer, les classer par score, justement. Lui, bon, il est anxieux. Bon, je pense que lui, il va pas tarder de mourir. Il faudrait que je me supprime après les autres. Alors, si j'y arrive, hein, ça va peut-être être un peu compliqué. On va voir ça. Ah oui, je voulais voir mes prisonniers, c'est ça à la base. Je pars encore dans tous les sens. Mes prisonniers, qu'est-ce qu'on peut en faire? Lui, on peut le bannir. On va récupérer 3,6 pièces d'or. Oh non, exécuté. Lui, c'est quoi? C'est le prince d'Angleterre. Oui, c'est celui qui avait fait le truc contre moi, là. Non, bah, il va croupir. On va même l'envoyer... on va le... Peut-être pas le torturer. Non, pas le torturer. Pas avec ce personnage. On va le jeter. On peut l'humilier, tiens. Humiliation publique. Non, on va le jeter aux oubliettes. Lui, pareil, on va l'exécuter. Ouais. Elle apprendra à se rebeller contre le roi. Voilà. Les danseurs. Bon, comme d'hab, hein, je vous relis pas tous les événements. Je prends les meilleurs trucs possibles. La France est vraiment blobée. Hein. Franchement, pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire blobée, ça veut dire qu'elle a grossi. Hein. Excusez-moi, je prends des fois des termes un peu gamer, mais... Enfin, moins que certains, mais je l'emploie un peu. Ouais, donc la France est bien présente en Espagne, enfin en Castille, notamment avec les îles. Elle est présente dans la bonne partie du territoire en France. Elle mord un petit peu, même, je dirais. Non, elle mord pas trop sur. Non, c'est plutôt respecté, ça par contre. Elle. Ouais, non, ça va. Et même en Irlande, elle est très présente, quoi. Bon, enfin, bah écoutez, c'est comme ça, hein. Allez, hop, le banquet est prêt. Blablabla, je participe pas. Il n'y a pas beaucoup, hein, franchement, ça va. Bienvenue à mon banquet, les amis. Bon, c'est rien passé spécial, voilà, les gens ont bien apprécié et c'est tout. Ah, une épidémie qui arrive, c'est laquelle? La fièvre lente. Le duc Randolph d'Anjouette a déclenché la guerre de revendication de Roger sur Hull à l'encontre du roi. Eh ben, ouais. Alors, c'est-à-dire... dernière revendication... Ah oui, d'accord, c'est la petite guerre entre lui et lui, quoi. Et il veut quoi? Sur Hull. Il est où, le Hull? C'est là, non? Ouais, d'accord. Peut-être il est temps de demander au duc Herman de passer plus de temps ensemble. Ouais, on va lui demander, pour essayer de mieux... En meilleur terme.
Ah, on va peut-être le convaincre de passer un peu plus de temps en privé. Parce que par contre, il a des stats de merde, quoi. Enfin... Un groupe de prêtres envoyés par le roi de Suède a accompli un grand rituel dans la, toute la poli... durant lequel toute la population de Pont-Jean-Mât a été convertie. Ils ont enfin vu Dieu. Je pense que ces jours m'ont aidé à vraiment apprécier Hermann. On va prendre le meilleur truc. On peut... Ouais, plus 10, allez, on prend de toute façon l'un ou l'autre, c'est pareil. Ça fait la même chose. Hop, on peut nommer pardon, un nouveau commandant de Normandie. Tiens, on va le faire sénéchal, là, celui qui nous aime pas trop. Voilà. Bon, bah ça n'a pas duré longtemps, hein. Le duc de Norfolk a accepté l'offre de paix. Il s'est fait capturer ou quoi? Ah non, mais... Ça y est, c'est fini la guerre? Ok, bah il a perdu, il a dû perdre du prestige, je sais pas trop ce qu'il a perdu, mais... Bah c'était rapide, hein. Des prisonniers qui sont morts du coup. Noté pour la souveraineté du dirigeant pour les déclarations de guerre. Je suis interne à leur truc, je m'en fiche. Alors ouais, pour Penthièvre, le comté de Penthièvre, à mon avis, il appartient aux lois du royaume de Bretagne. Si j'ai bien compris, hein. Alors, est-ce qu'on peut... Ouais, c'est ça que je savais pas l'autre fois et je n'ai toujours pas pris le temps de me renseigner. Oui, on peut changer les lois juste pour un royaume, enfin un truc en fait. Mais là, je me suis fait complètement niquer, donc... Je me suis fait de toute façon niquer, maintenant je vois vraiment plus comment je peux le récupérer là honnêtement. Il a fallu que je change les lois avant que je fasse un truc, c'est vrai que j'aurais pu changer les lois de Bretagne et du coup re-rentrer Penthièvre. C'est peut-être pour ça en fait, c'est parce qu'en fait si j'avais mis régulation de l'héritage libre en Bretagne. Ah putain. Je pense que mon erreur elle venait de là si j'avais fait ça plus tôt. En fait j'ai regardé, j'avais vu que le Saint-Empire, c'était pas le cas. La régulation de l'héritage était en libre, donc je me suis dit, ah, c'est bon, en fait, non, ça doit être les lois de la Bretagne, puisque effectivement, comme l'a fait remarquer Ilona, je crois, c'est ton pseudo, je sais plus. Ou Ilana, je sais plus, hein, excuse-moi. Effectivement, le comté de Penthièvre, actuellement, il est dans le duché de Ferrare, gna gna gna, Saint-Empire romain, mais de jure, il appartient au duché de Penthièvre et au royaume de Bretagne, donc ça se trouve, il dépend des lois du royaume de Bretagne. Même si officiellement ça l'est plus. Et là, peut-être que si j'avais fait ça, ben j'aurais pu récupérer avec mon neveu, il serait pas sorti de la succession en fait. Bah si c'est ça, franchement, je peux m'en vouloir de pas assez bien connaître le jeu, hein, parce que parce que voilà, parce que ça, avant que ça rebascule violet, faudra trouver une fourberie. Mais enfin, on trouvera peut-être une solution. Nous contenterions volonté d'un dimanche sur deux pour nous rendre à l'église. Bah oui, non, mais il faut pas faire ça. Hein. Ah non, je suis repassé à étape 4 de devenir Conversus. Ouais, c'est vraiment tendu, hein. Gargamel. Ah, ça me fait rire, ça. Gargamel qui peut devenir... Ah, mais les mecs sont moines, prêtres. Bah oui, forcément, moi je suis ni l'un ni l'autre, quoi. Donc, je suis pèlerin. Voilà. C'est déjà pas mal, non? Ah oui, il voulait que je fasse pénitence. Bah non, mais oui, c'est que je l'ai pas fait en fait. Bah on va faire pénitence, allez, on recommence. Donc normalement, quelqu'un va prendre le relais sur le pays, non? Ah, il me semblait. Pourquoi t'as du sang, toi? T'as une infection, une blessure. Ah! C'est moche. Comme on dit. Je ne comprends pas un passage de la Bible. Alors, on va essayer de la comprendre par nous-mêmes. À mon avis, il y a peu de chance qu'on y arrive. J'ai refusé de demander de l'aide. Moi, le roi, assis sur la Bible, comprend la signification de ce passage. Après, je me suis assis à regarder les mondes, essayant de leur donner un sens, mais chaque interprétation, je pouvais penser était terne et creuse. J'ai échoué. Bah, tant pis, on a essayé de se débrouiller par nous-mêmes cette fois.
On a encore des trêves hein, qui sont en cours. On a passé la journée à faire une prière, on passe du temps à faire pénitence, on avance. Lui c'est pareil, oui. Il y a un... dans la vie un puits de sagesse sans fond. Dieu m'a montré la lumière. Ma nièce, encore ma nièce, ben, tu seras humble, voilà, dans l'humilité. Un homme prétendant être un seigneur disparu depuis 7 ans s'est présenté aux portes de mon château. Il chante les louanges de la bonne reine d'Elfand et certains pensent que ses chants sont prophétiques. Venir gentil. Bon. On a quelqu'un qui s'appelle Gofrid qui arrive et une période de prospérité. Il est où Gofrid? Gofrid de Lower, t'as pas de revendication, Gofrid l'idiot. Ben ouais, t'as l'air sympa toi. Tu sers à rien. Dieu m'a encore montré la lumière, décidément. Ouah, maintenant je suis étape 5 à devenir un conversus. Après la dévotion augmente mon score, non? Non, même pas. Peut-être qu'envoyer un cadeau au duc Herman, on va faire ça. Je peux emprisonner qui? Le duc de Warwick. Il trame un complot. Bah, qu'est-ce qu'il a? Il a pas le titre de comté de Chester, justement, lui qui ne lui appartient pas. Attends. Attends, pourquoi je dis attends, attendez. D'ailleurs, le comté de Chester. Non, oh, ouais, si. Tac, on est d'accord qu'il est dans le duché de Lancastre, et qui appartient à lui pour le coup. Donc, on peut en profiter pour essayer de l'emprisonner. On n'a pas réussi. Il va se rebeller, c'est pas grave. Ça va me donner l'occasion de lui enlever son titre du comte, de comte, normalement. Et puis de le redonner à quelqu'un. On... De toute façon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre hein, pour le moment j'ai pas grand-chose à faire. Après, ouais, il y a toujours la possibilité de... déclencher la guerre à la France, etc. Mais bon, je crois que ça va être tendu, il faudrait que je fasse des alliances. Je me dis que pour le moment, on a des objectifs plus faciles et réalisables. Donc j'ai envie de me concentrer sur ceux-là, en fait. Parce que franchement, unifier l'Angleterre, c'est vraiment à portée, hein, pour le coup. Bon, là, je pense que ça va les calmer d'essayer d'attraper mes troupes. Botolf, Arnald et Edgar. Voilà. Messieurs. Hop, là, là, merde. C'est dommage, j'aurais pu changer au dernier moment et venir les choper ici. Mais là, ça va le faire. Alors, le comte du Perche. Bah, pff, lui, il m'a rien fait de spécial, quoi. Mais je sais pas trop ce qui, pour qui, pourquoi. Pas de complot. Cette option est considérée comme petite tyrannique. Bah, elle me la propose pas alors. Bon, ça, c'est déjà fini en fait. Ça me l'a proposé et. Ouais, pas trop compris, mais c'est pas grave. Voilà. On a gagné de la dévotion. Pour chercher un forgeron, non. Encore une nièce. Bah, tiens, tu feras de l'érudition. Parce que pourquoi pas. Hop là, on va attraper des troupes, on va les exterminer, je pense. Oui. Voilà, mon souhait de devenir meilleur catholique m'a amené à respecter la règle de Saint-Augustin. Ouais, en gros, on obtient petit à petit toutes les vertus, quoi. Enfin, on est devenu gentil. Bon, autant avant je pouvais le choisir et je voulais pas, autant là. Bah, j'ai pas le choix.
Allez, on va les écraser. On les a plutôt bien écrasés d'ailleurs. Bah, il s'enfuit. Bah, fuyez. Bon, bah, il fait encore quelques troupes là. Voilà. On va faire un ou deux assauts contre des camps et puis. Même pas en fait. Est-ce que ça m'intéresse d'en apprendre davantage sur les roses? Non, j'ai pas envie de le faire, c'est bon. Il y a autre chose à foutre, le roi. Apportez la foi, hein, nous demandons de construire une église dans vos terres. On va accepter. Pourquoi pas? Créer une nouvelle église quelque part. La foi miaphiste triomphe. Ouais. Ça nous intéresse guère. C'est avec notre escorte, on va aller attaquer les 178 troupes là. Et on va les exploser. Voilà, et 100%, on va pas perdre de temps. On va révoquer son titre. Tiens, on peut pas révoquer son titre de comté de Chester, c'est marrant ça. Ah bah non! Bah si! Même si c'est son seul titre. Bah, pourquoi on pourrait pas? Bon, quoi qu'il en soit, on va lui enlever son titre de duc. Ah oui, par contre, ce qui est bien, c'est que du coup, je lui enlève son titre de duc. Vu qu'il a plus qu'un titre de comte, je vais voir lui et je lui dis, tiens, tiens, le comté de Chester, c'est pour toi. Voilà, ce qui fait que maintenant, le duché de Lancastre, de jure, c'est tout ça. Enfin, là, actuellement, c'est ça. De jure, c'est tout ça. Par contre, Derby, oui, bah, Derby, c'est le même problème, je ne peux pas lui donner. Ok. Et moi, le duché de Lancastre, de Warwick, j'en ai un peu rien à foutre. Encore que, bon, c'est un duché assez puissant quand même. Hein, mais, j'ai pas envie de garder ça. Ouais, lui, ouais. Bah, lui, c'est un Normand. Il est déjà comte dans tout ça. Donc, on va lui accorder le duché de Warwick. Bah, soit dépendant du titre, le comté de Warwick, le comté de Shrewsbury et le comté de Lincoln. Oui, voilà, c'est ça. Impeccable. Ouais, donc du coup, moi je peux toujours pas demander le duché d'Essex, j'imagine. Non, 1213, 20 septembre, dans un an. Un jour, alors que je suis assis avec ma connaissance Aliénora, blablabla, c'est une très bonne élève. Ouais, c'est très bien, je m'en fiche complètement. Bla, ça en fait des prisonniers tout ça. Non, toi je dis que je te. Non. Oh, ouais, 26 pièces d'or, 10 pièces d'or. C'est un peu la dèche, mais bon. Bon, lui non, il peut aller se faire voir par contre. Hop. Toi non, toi non, toi non. Je vais les libérer. Franchement, il y en a, je m'en fous complètement, quoi.
En raison du trop grand nombre de navires marchands qui accostent dans les ports de Caen, une demande accrue pour un espace portuaire élargi. Bien sûr, de grands ports pourraient également réparer plus de navires de guerre. On peut obtenir port marchand avec 50% de galères en plus. Ah bah carrément. Je sais pas, j'imagine que c'est définitif. Ah bah carrément, ouais. Ah bah ça c'est cool. J'aurai encore plus de bateaux, ça veut dire que je peux sortir maintenant 71 bateaux. Oh bah carrément que c'est cool. Ça c'est sympa. Un petit event appréciable, on va dire. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Elle. Oui. Lui. On la libère, voilà. Et on n'a plus que... Ah bah non, bah j'ai dû le libérer sans faire exprès. Alors merde, quel con. Ah non, c'est qu'il est mort. Bah parfait. J'espère que le duc va bien. Le duc de Broken, je t'ai tué. Ouais, bon, bah ça c'est... était indifférent à mon propos. Bon, j'espère que toutes mes petites trêves vont s'arrêter bientôt. Deira, ouais. Ça, c'est quoi? Il appartient à Deira, lui aussi. Parce que lui, avec son duché, là, de Lancastre. Non. Il a plusieurs duchés, lui. Gloucester. Lothian. Bah le comte de Lothian là, il a proposé une vassalisation, il veut pas. Bah ça va lui faire bizarre hein, quand je vais lui déclarer la guerre à lui tout seul là. Il va pas faire long feu hein. La duchesse de Warwick. Bah oui bon bah ok, elle vient juste de récupérer le duché, bah pourquoi pas. Et eux là, tiens, le roi de Northumbrie propose une vassalisation, il ne veut pas, très bien. Son petit royaume, c'est ça, de jure, non. Donc ça veut dire que j'ai aucun moyen, si, je dois peut-être pouvoir lui déclarer la guerre pour une vassalisation forcée, ça me fait perdre 1000 de prestige. Mais est-ce que j'ai une revendication de jure sur la Northumbrie? Ah bah oui, parce que je suis roi d'Angleterre. Bon, on va faire carrément ça. Enfin, je pense, hein, alors je sais pas si c'est juste sur un territoire, en fait. Je deviens le nouveau Sailor Leaf du Earl Sickerbrit, mais ça c'est pour uniquement... Ouais, donc non, faut bien que je lui déclare la guerre. Pour le royaume entier, c'est ça, donc c'est le tout premier. Voilà, c'est sur tout. Sur le petit royaume. Voilà. On remet les troupes. Bref, on va les écraser, franchement, facilement. Mais bon, il n'y a pas de raison, on va pas laisser ça indépendant. Hein. Franchement, je suis assez content de moi parce que je vous avais dit que j'avais déjà fait une partie par le passé. J'étais très, 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 très loin d'être arrivé à tout ça. Franchement, là, je... Je me suis bien surpassé, donc je suis plutôt content. Je suis plutôt content de moi. Oui, j'aurais dû faire Caen en fait. 73 bateaux, c'était plus simple. Ah bah ça y est, lui il est mort. Bon, il a récupéré tous les duchés malheureusement. En plus, il est puissant, bien sûr. Et... Pff. Ouais, t'as un peu trop de duchés, toi. Je pense qu'avec mon prochain personnage, il faudrait que je fasse de... Vous savez, trouver en... Alors, la chasse, d'ailleurs, il m'a quasiment fait aucun événement. Il faudrait faire de l'intrigue pour essayer de créer des rumeurs sur le personnage, pour l'emprisonner, en fait. Comme ça, à partir du moment où je l'emprisonne, je peux lui retirer des titres. Il faut faire ça, en fait. Hein, c'est ce que je vais faire. Il va falloir que je la dans la prochaine partie, je pense que je vais essayer de les affaiblir, ces gens-là. Moi, je peux comploter pour le tuer, mais... Remarquez, lui, il serait héritier que du duché de Lancastre, du comté de Lancastre. Ah, alors ça peut être intéressant, là, par contre. On va essayer de l'assassiner, lui. Comme ça, ça va redispatcher tous ses titres. Il y a l'air d'avoir du monde qui avait l'air assez intéressé, en plus. Oh, bon, alors toi, si avec un petit cadeau, t'es prêt à rejoindre, c'est parfait, parce que t'as un gros score.
Envoyer un cadeau, oui. Ma succ... Ouais, ok, donc là c'est bien. La... Les rapports avec lui sont bien mieux. Ouais, on va arrêter de faire ça du coup. Voilà. Ouais, franchement, si on a moyen de l'assassiner. Oula, oula, il y a beaucoup de monde qui a rejoint. Enfin, pas encore, mais attendez, hop, je remets lecture. Si tout ce petit monde accepte, ça va monter une vitesse folle. Ah, ce serait top ça. Ouais, franchement, ça va être cool. Du coup, à sa mort, ça va partir sur tous ses enfants. Et du coup, c'est fini, j'aurai plus un gros vassal qui sera puissant. Ça va être juste parfait. C'est carrément ce qu'il fallait. Bon, je pense pas la peine que je paye d'autres gens pour qu'ils arrivent dedans, quoi. Il y a assez de monde qui est pour, hein. Je peux même rajouter mon... T'es où, toi? Reine sur Lancastre. Lancastre, Lancastre, Lancaster, c'est là. Hop, tisser un réseau d'espionnage, ça augmentera encore de 12%, on va être à 300%. Normalement. Votre femme Adélaïda vous a demandé de l'envisager pour le poste de maréchal? Ouais, mais alors c'est vrai qu'elle est putain, elle est pas mauvaise en plus. Hein. Mais non, non, je suis désolé, ma femme, mais je peux pas faire ça. Ça va pas trop passer en fait. Bon, voilà, tu peux débarquer avec des troupes chez moi, je vais te dire que ça va te faire tout drôle. Hein. Ok, donc toi tu peux arrêter, refais preuve d'habileté politique s'il te plaît, en attendant qu'on crée des revendications ailleurs. On va lever des vassaux un peu partout là dans le coin. Là non. Mon complice me fait savoir que l'évêque... Il y a un plan pour assassiner l'évêque. C'est parfait ça. J'espère qu'on va pas le rater. En plus, il a péri sans connaître le nom de son assassin. Le duc de Gloucester a usurpé le titre de comté de Winchester qui appartenait jusqu'alors. Ouais. Donc lui, il est devenu duc de Gloucester. Donc deux jures, c'est tout ça. Mais là, actuellement, il a que ça. Ok. C'est bien ça, ça va être pas mal là. Du coup, on va avoir des vassaux bien moins puissants. Donc lui, il est juste comte de Chester. Ok, donc le duché de Lancastre. Ok, donc toi, tu me casses toujours les pieds. Et toi, t'es le duc de Lothian. Parfait ça. Franchement, c'est parfait. Terminé. Voilà, ça a été un bon. Bon, après, chacun est héritier d'un des duchés des autres. Hein. Bon, il suffit qu'ils aillent jusqu'au bout. Bon, lui, il a qu'un an, vous me direz, mais. Il suffirait que. Voilà, j'ai réalisé l'ambition à devenir un modèle de vertu. Génial, ça. Hop, on va regrouper. Alors. Voilà. On va mettre. On va mettre lui quand même, on va essayer. Je suis pas sûr que l'information va se déclencher, mais on va aller voir. Alors, voyons voir. Donc là, c'est de l'escarmouche. Non, ouais, ça s'est pas déclenché. Mon maréchal qui veut devenir templier. Bon, bah, on va pas refuser. Hein. Sûrement pas, alors que nous, en plus, on est très pieux. Bah, le duc de Cambry qui nous apprécie beaucoup. Bah, le fameux Botolf. Alors, on a que des gens qui nous apprécient comme ça. C'est parfait. On peut redemander l'obligation bourgeoise et là au moins on est sûr qu'elle va être acceptée donc on va se faire encore plus de fric.
Parfait. Voilà, c'est vrai que l'épisode est un poil trop long. Allez, on va accélérer le temps. On va finir de prendre ce petit royaume. On finira sur cette tache violette. Le comte de Rouen a fourni des informations prouvant que le fils du père. On garde ces informations pour nous, on s'en fiche. Voilà, on continue à leur faire des dégâts. On a des trèfles qui vont expirer, et ça c'est bien. Allez, un petit assaut pour accélérer le score de guerre. 15%. On va les taper sur les troupes. Mon corps est peut-être séché infirme et mon esprit est plus vif que jamais. On devient infirme. Alors si on pouvait ne pas mourir dans la seconde, ce serait cool. Maréchal me dit qu'Arnal, mes commandants, s'est nettement amélioré. Et ben, tant mieux. Ah, j'ai pas regardé les effets, excusez-moi, j'étais trop rapide. Je suis bête en même temps. Allez, on va les attaquer. La duchesse a forgé une alliance. Oui, c'est bien. Paf! Voilà, on les a stock wipe totalement. On dit oui. Et voilà, ça y est, le petit royaume a été absorbé. Le roi Radulf est devenu notre vassal. Bien sûr, il ne nous aime pas du tout. D'accord, l'héritière. Ok, bon, bah écoutez, c'est magnifique ça. On va refermer tout ça. L'escorte. On va juste ramener l'escorte à bon port. Et ben écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi une nouvelle fois cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que la série continue de vous plaire. Il y a forcément un petit creux, hein, parce que voilà. Un pack défensif contre moi. Bon. Parce que forcément, bah oui, faites voir la menace, elle est à 9,5%. Ouais, quand même, mais bon, ça devrait aller. Comme d'habitude, c'est pas assez violent. Oui, du coup, bah forcément, on essaye de... Surtout, j'essaye de vraiment récupérer bonne partie de l'Angleterre. Alors après, on pourra monter en Écosse et tout. Hein. Bon, après, comme je disais, bon, la France est en révolte actuellement. Hein, donc c'est vrai qu'elle est un peu affaiblie quand même. Je pourrais tenter, honnêtement, de... Bon, ce qui me fait peur, c'est l'héritier. Là, l'héritier du roi de France... je sais pas trop comment ça marche dans ce cas-là, mais... Roi de traces croisées, je sais pas s'il récupère tout, je sais pas trop comment ça marche, parce que là ça ferait quelqu'un d'assez puissant quand même. Hein. On verra ça au prochain épisode, merci à tous de m'avoir suivi, bonne continuation à vous, portez-vous bien, et on se dit à après-demain pour la suite de Dexai, merci.